et active. L'argent ne se mange pas, donc n'alimente pas les cervelles. La vie prospère ne sera jamais la vie éternelle. Voilà que mon corps repose et que je vois mon bas monter là-haut. Je n'ai pas eu le temps de vivre, donc tout ce que je te raconte se passe après ma mort. J'ai cru rêver quand j'ai vu le loup, pas le chat noir, alors que j'étais sur terre. Je me suis cru à Fantasia, la société parfois. C'est le Moyen-Âge dans ce qu'on y voit. Alors Merlin m'a dit d'aller voir où pour écrire mon histoire. Sorti de ma tour d'ivoire, je t'écris et je te lis mon grimoire. Je pensais être maître de ma vie, alors que j'en étais que le sous-fil. Je voulais toujours paraître éduqué, ce cliché dans mon miroir. Amenhotep, pharaon seul dans son monde de souvenirs. Je voulais m'enrichir, voir les souvenirs. Mais la vie n'est pas un testament. J'allais à la banque, comme tout le monde, je rêvais de 400K. Ma vie, j'ai marchandé en vendant corps à mes sourires. Ce texte de 44 fait rimer néant et CAC 40. En société, je me suis bien conduit. Des années durant, toujours le présent, à préparer le futur sans répéter le passé. J'ai vu ma vie défiler, à tenter de gagner du temps. Et je l'ai perdu pendant que j'essayais de tout faire pour la gagner. Dans le système, la vie sous-traite, des papiers traduisant sous être consommé. J'ai une révélation soudaine, scandalisé ma colère, à toujours la répéter. Comme dit Sense révolutionnaire, mais attends, j'étais en RTT. Ceux qui grattent et cherchent l'or, ce n'est pas les orangs ou tant. Je cumulais des biens, même si pour ça je favorisais le mal. Métal, plus d'hommes, l'intelligence artificielle, le Graal. Beaucoup sont morts car d'autres n'ont plus de cerveau depuis longtemps. Si l'argent perd un jour sa valeur, je voudrais demander à un pauvre, mais qu'est-ce qu'est l'homme riche ? Mais qu'est-ce qu'est l'homme riche ? On est tout seul au sommet de la pyramide, alors la compétition n'existe que pour les égoïstes. Égoïste au fond, y'a jamais ni défaite ni perdant. C'est soit on gagne, soit on critique. Dans le rap, tout le monde crache sur des lyrics. Son rythmique, qu'est-ce que le vrai rap quand tous les rappeurs sont de styles différents? On veut nous faire rentrer dans le moule. Pour plaire, faut qu'on s'y installe. Car faut se montrer comme des gens cool, populaires de cœur et de j'aime. Le bonheur ne se mesure plus qu'au like Facebook ou Instagram. Les gens ont besoin d'être aimés par les autres pour ensuite s'aimer eux-mêmes. Statut ou vidéo d'émotion, tout le monde est dépris. Encore plus quand tes likes sont comme sur sa photo. Pour lui, tout est permis. Le problème du fond, du viol, du harcèlement sexuel, c'est pas les tenues des filles, c'est l'éducation des mecs. Je dis ça, mais j'allais toujours de mes conseils. Je parlais en sain efficacité. Égale rapidité mais surtout facilité. Je me suis cru intelligent en disant tu peux le faire, c'est pas compliqué. Si je suis ignorant forcément, tout ce que je sais est extrêmement simple. Je m'excuserai peut-être pas dans ma tête, être caché, aider. Faut simplifier même si la mémoire sélective me fait dégainer. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça veut donner des leçons dans la vie, chacun impose des règles dont il est l'unique exception. À juger ce que je vois et parler des gens sans connaître l'histoire. Se prendre pour Dieu ou un meurtre, dis-moi. Quel est le pire? Hein? Quel est le pire? Je me disais avant que je succombe, faire ses plafonds, je le veux. Mais y'a que le trône de Dieu qui soit sur le toit du monde. On dit faut faire ci, faut faire ça, vas-y monter. Qu'importe la manière, on m'expliquait la vie au nom d'une expérience qui ne serait pas mienne. Je m'en veux sincèrement d'avoir fait partie de ce système. Trafiquant de stéréotypes, mon diplôme comme cache-misère. J'en appelle aux gens instruits, arrêtons de faire les héros. Comment leur dire que j'allais être docteur sans jamais soigner personne? Instruction, intelligence, maturité, inégalité. Je le sais que maintenant, pourtant j'ai suivi les mathématiques. Je ne jurais que par les études, bon en poésie. J'en devenais racoleur, j'ai vécu pour la rime, j'ai confondu orgueil et honneur. Même au fond de ma chambre, je voyais les nouveaux du peurat. Dans ce cas, je comprends ceux qui disent que rap plus digne créa al-haram. J'étais comme tous un être humain, qu'avait-il de plus que moi? Peut-être que je feignais l'admiration quand je disais je rêve d'être à sa place. Berné par la société, même jeune, j'ai cru que pour un homme être un vrai, c'est baiser. Contradictoire, je me disais, sérieux et préféré aux filles, les femmes vraies. Qui étais-je pour juger? Moi, le croyant des puces, les censés être mariés. J'ai toujours eu peur de grossir, papa de me prendre des râteaux. Je me plaignais de mon poids malgré des photos déjà prises devant des gâteaux. La gourmandise est inconnue, ceux à qui on fait les poches. La seule chose que je partageais, l'égoïsme sur les réseaux. Pourtant je voulais que la misère disparaisse, mais pour donner aux pauvres, y'avait des oursins dans les poches. Le fric donnais-je vraiment par conviction? Non, disons que le système social vivait de mes impôts. Je payais pour pas finir en prison. Pour pas passer pour un esclave, je disais des phrases bateau. Du genre, dans ce monde faut que tout le monde ait sa part gâteau. Comme Carrie, je m'en battais les couilles d'avoir la bonne réponse. Je voulais juste avoir raison. J'avais beau promettre de changer, de m'améliorer. C'est quand je suis fâché que je jure le plus, tu comprends? Tout le monde dit que se taire c'est cautionné, donc pour que je me calme, fallait que le mec d'en face n'hurle le plus. Je limitais les efforts, ingénieur efficace et ingénieur feignant. Le travail c'est la santé à ce qui paraît, mais aussi rien faire c'est la conserver à ce qui paraît. Petit malgré les efforts de mes parents, j'allais chercher le pain en pestant. Mais que faire quand tu rames et que la vague apparaît? Face au problème, une seule loi se respecta à la lettre. Y'a ceux qui vivent parce qu'ils luttent, et ceux qui meurent parce qu'ils butent.
Quand d'autres vont avoir la soucoupe parce qu'ils sont prêts à prendre tout risque. Certains s'enferment dans une routine en attendant que la roue tourne. Des tirs sans sur en veulent te détruire, le mot donne des coups. Certainement plus facile de réussir lorsqu'on est sourd. Lève-toi, leur projet fondé. Si elles ignorent les la victoire, c'est sans la catégorisation. Remise, médaille après défaite sur le podium seront l'obligation. Les interdits, le regard des gens. Par bonheur, argent, prospérité, voyage attiré. Mais avant de rêver, il faut bien vivre. Réalité égale métro, boulot, dodo. Bref, la routine pendant que les rêves sont freinés. Les cauchemars, eux, sont en roue libre. Ça pousse de partout, mais pourtant quelque chose me déroute. On veut tous une branche et pour ça, on se coupe tous les racines, même solides. Elles serviront qu'à se les mettre dans les roues. On dit tous la routine pour dire plus vite que la roue patine. Pas d'entraînement de collectif, pour ça que maintenant l'air me manque comme à tous ceux qui ont leurs moyens. Mais les sourds le font, pas de frime pour faire de l'argent, il n'y a que la course de fond. Les derniers seront les premiers et les crevards restent devant. Toute ressemblance avec personne existante sera pas fortuite. Un mauvais coup pour la richesse n'achète pas de bonne fortune. Sur terre, le bonheur c'est éviter le malheur. À la fin du monde, il y aura plus de sol pour construire des bunkers. Bref, tout ce que je voulais, moi, c'était réussir dans la vie, hein. Réussir dans la vie. Le problème, c'est que, en même temps, j'ai surtout oublié de réussir ma vie. Si j'avais su, hein. Si j'avais su. Je me le dis, voyant qu'un privilège n'est pas propre aux riches. Chemin de la vie dans les canyons de ses propres rides. C'est pas en regardant la télé que sera la paix. Une paix qu'on cherche en faisant la guerre. Le plus grand combat est contre soi-même. Donc je suis en clash avec ma rime. Je suis pas seulement chrétien, je me revendique des gens du livre. Il est écrit que l'histoire prend fin quand se déchire le papyrus. On se dit se voir tel jour. Quand la mort vient sans rendez-vous, le vent tourne et renverse les corps, le sentez-vous. Même un truc microscopique tue dans nos coronavirus. Mourir c'est vivre dans le cœur de mes grands êtres. Les vivants sont bons, nous protègent avec des cantiques, des sorts. On écrira mon histoire dans un livre ou bien sur des bandelettes. Je reconnaîtrai les miens grâce au livre des morts. J'apprêche perturbé par du bruit, je peux pas finir chaque ligne normal. Quand j'écris ma plaidoirie, le miroir rit. Pour ma défense, je prends des notes, j'écris sur des notes, sur mes notes. Mais pour le jugement, je ne participe pas au vote. Le poids de mon passé repose sur du verre cassant. Mon cœur maintenant rapporte les faits sur la balance. J'ai beau être sûr de moi, la certitude est l'ennemi de la raison. J'ai beau avoir réponse à tout, ma vie me remet en question. Avec comme encre le restant d'essence pure de l'âme. Dieu a écrit mon jugement avec la plume de Marthe.